flamme, mes frères. Ah, je suis content, hein. Après la précédente vidéo, je les ai bien trollés les autres. Je vais pouvoir m'amuser un peu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Michael de Santa tout pour la suite de la soluce de GTA V. Et là, avec tout le fric que j'aurais piqué, je vais acheter ce putain de bâtiment. Ouais. Ouais, le bar tequila là, cet établissement sert de boisson aux habitants de San Andreas. Oh ouais, je suis content. Mon propre truc de boisson en revenu hebdomadaire. Ah ouais, 16 000 putain. Vous vous rendez pas compte, le géant peut vous contacter de temps en temps pour demander de l'aide. Ouais. Tequila là, depuis le temps que je veux l'acheter ce truc. Ah là, je suis super content là. Super content. Oh oui, c'est moi. Oh pardon. Ah punaise, ah là, ma voiture ressemble à quelque chose maintenant. Putain, j'adore voir qu'il est. Et enfin bref, j'ai reçu un message, je crois, un email. Propriétaire du club de rock le plus légendaire de la ville, ouais. Bonjour monsieur de Santa, je m'appelle Cody, je suis gérant du Tequila là. Je vais juste me présenter, salut mon nouveau patron, je venais d'acheter un monument historique, c'est vraiment cool, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé de ce qui se passe à bientôt. Ouais, putain, elle est du rock. Bon, alors quelle excuse je vais dire pour ne pas m'être présenté depuis 2 semaines? Parce que là, je pense qu'ils en ont un peu marre. Désolé les gars, hein. J'ai perdu mes pantoufles, ça m'a pris 2 semaines. How you doing? Ah, pretty good, under the circumstances. About to knock off a federal government building. Oh, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. Life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then, head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't gonna do the trick, huh? No. You'll have incendiaries and a remote device. Now, they need to be strategically placed so we can ensure that we still have access to the server so that the structure maintains its integrity. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Now, got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Le doigt! Comme dans le précédent délire. T'as pas vu Franklin, d'ailleurs? Il me doit encore du fric, hein, pour m'avoir foutu à l'hosto. Ouais, non, je déconne. On est quitte, hein, vu que j'avais foutu aussi à l'hosto. Ah, Franklin, il a intérêt à avoir une bonne excuse. I'm about to start my shift at the bureau. Hey, can you grab Packy and Daryl? Get the fire truck to be ready to go when I give the word, right? All right, dog. Hey, one of the dudes is a beast, so we might just do this. Hey, look, clean up in there, all right? Merci. Mais c'est vrai que Packy, il est bon, hein. Là, on l'a vu, hein, depuis le temps. Eh hey, putain, mais poussez-moi! Je dois aller travailler et ne pas sortir mon gun. Ne pas sortir mon gun. Ne pas sortir mon gun. Bonjour, je suis gentil, le FIB, bonjour. Is it your first day? Go through the turnstile and head up. Merci, c'est gentil, je suis nouveau. Ah, mais c'est bien. Keep changing the contractors. Yeah, because guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Ah bah c'est pas comme Nightman, hein. Je pensais que comme Nightman, ils allaient faire choum et me gauler sans aucune raison. Non, là, la vraie vie, c'est pas pareil. Tant mieux, parce que sinon, j'aurais dû tous les flinguer. Et je crois que j'ai flingué un peu trop de personnes dernièrement. Faut que je me calme. Ouais. Le lundi au soleil! Et quand il pète, il trouve son slip! Et quand il pète, il trouve la serpillière! Bonjour! J'ai quelqu'un! Salut! Alors, où j'ai foutu mon badge? Tenez, bonjour madame. Livraison de pizza. Il faut que je nettoie le sol.
Ok, on va poser le seau. Et on va faire un boulot bien chiant. Ah, pourquoi c'est pas le noir qui fait ça? Ça lui aurait bien ressemblé. Bah, enfin bref. Allez, yu. Ah putain, la serpillière est sale, faut que je la rince avec de l'eau. Mais c'est très chiant comme boulot, ça fait 5 secondes que je le fais ce boulot et j'en ai déjà marre. Je sais pas comment Molinet le faisait. Faut que je pose la bombe dans le placard. There you go. Discrétion. Je suis discret. Un connard là-bas! Je suis discret que mon cul un soir de l'an. Oh, il faut que je nettoie tout ça! Ouais. Putain, ils sont toujours obligés de foutre des drapeaux américains partout, c'est pas possible, hein. Je pense qu'on a compris qu'on est aux États-Unis, hein. Pas besoin de le répéter à 50 000 fois, hein. À une fois. Ouais, putain, ça me rappelle la fois où mon pote belge il est venu et il m'a dit qu'il fallait poser la bombe dans les toilettes. J'ai rien compris au premier abord, mais je veux le faire. Bonjour, je viens squatter les chiottes. Hey, wait till I shake it off before you mop the floor. Je vais te la secouer. T'as un problème, fils de pute. Voilà, là t'as vu, t'as laissé de l'urine. Culé, va. Bon, bref. Voilà, le mec qui va aller chier ici, hein. J'espère que ce sera pas Wesker. Salut. Ouais. Il est mort. D'une arrêt cardiaque du budget. Donc ne me posez pas de questions. Bon, je crois que les gens commencent à venir à me trouver suspect. Alors, je vais me casser. D'ici. Alors, quel chantant je pourrais. Et il fait tourner les serviettes comme une petite girouette. Il aime bien sa quiquette. Alors, vous voyez, hein, maintenant on nous demande de bosser que 5 minutes. Hein. Ah, le boulot, c'est plus ce que c'était maintenant. Hein. Bon ben, salut. We're all leaving in a minute. Ouais. Salut. En effet, avec ce que je vous prépare, vous avez intérêt à partir, hein. Salut, mon enculé. Bon, alors, Franklin. Bouille-toi. Le marshmallow est mort. I'm out of the building. Ok, j'arrive. Hey, dog, we're right around the corner. We got your gear in here with us. Les pompiers sont là. Ah pas là, j'ai cru que c'était le bon moment. Attendez. Detonate the incendiaries, Frank. I'll get this turnout gear on. Alors, c'est où la touche déjà? C'est détonation, ouais. Putain, t'en as placé autant? Je pensais que t'en avais mis que deux. Ouais! Allons-y, let's go, chers petits les amis. Nous allons les crémer. Ouais! Nous venons vous sauver! En paix, les gens! N'ayez pas peur! Laissez passer le spécialiste! Ah putain! Ah putain, j'ai toujours du mal à passer ce guichet! Allons-y! Ah! Ah bah j'espère, hein! Cool, dog. Thanks for cleaning that shit up.
We gotta go across. Take the stairs to the top floor. Alright, we're going across to the far stairwell and up to the top floor. Ouais. Stairs are here. We take them up to 53. D'accord. Il y a l'oxygène. Et je suis en train de vous tracer. Et je vous trace plus. Désolé. D'accord. Pour prendre le disque dur. Ok. Allez, la 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 la. Ok, c'est bon, je l'ai. J'ai le disque dur. Qu'est-ce qui se passe là? Oh putain, faut se barrer. Mais attendez-moi, hein. Je veux pas mourir ici, hein, merde. Je suis trop jeune pour mourir. Je vous le jure. Ah, attendez-moi, les gars! Ok. Mais faites gaffe, hein! Ah merde! Il va bien? T'es toujours des nôtres? Il est mort! Ouais. Bon, moi, pas qu'il est vivant! Ouais. Bon, c'est dommage, on a perdu l'un des nôtres, mais au moins j'ai gagné 13 dollars. Oh putain! Aidez-moi! Bah, vous m'avez abandonné, bande d'enfoirés! Vous êtes où? Ah ouais, là, je vois, il y a du monde, a priori. Je prends quoi? Ouais. Ouais, j'ai vu ça, il y a des gens. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Vous risquez de crever, bande de cons. Voilà, espèce d'abruti. Ah, je suis là. Ouais, mais cette fois-ci, vous m'attendez, hein. J'ai pas envie de raffronter les ennemis tout seul. C'est un peu chiant, ça. Ouais. Ah, putain. Cette mission, elle est pas de... C'est pas du gâteau, hein. Ouais. Et donc m'abandonnez pas, merde, cette fois-ci. Oh, je sens que c'est encore moi ou le truc qui va se décrocher. Je parie combien, ça? Je sais pas pourquoi, mais je sens que mon truc va se décrocher. Ouais, c'est bon. Oh, putain! Ça fait peur! Ah!
Plus jamais ça, plus jamais ça de ma vie, merde, hein. Mais je voulais juste être mécanicien. Putain de vie de merde. Bon allez, on se casse d'ici là, parce que j'en ai un peu marre. Les gens à l'extérieur, non c'est bon, ils sont pas au courant qu'on est des méchants. Non? Non, ils sont pas au courant? Non, bah je sais pas, vu que les mecs du FBI, ils étaient au courant là, à l'intérieur, moi je me dis que c'est possible. Ouais, compétent de l'équipe, plus 25% pour paquet. Oh, ça c'est génial. Ouais, mais on est dans un camion de pompiers. Take us to our get out, avoiding the cops, feds, and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Try real hard, okay? Bon, bah, on va détruire le camion, hein. Par contre, comme un con, j'ai gardé le casque. Par contre, écartez-vous, parce que ça va faire boum. Wouah! Oh putain! Eh, hey, sympa la caisse que t'as trouvée, hein, Michael. Je m'attendais à pire. Tu viens, Paki? Ouais, c'est bien. Ah, toi, tu viens aussi, toi? What are you doing employing clowns? I couldn't get work in this town for a year, and that guy's booking jobs? Yeah, I got told he could handle himself. Hey, we're lucky we found you. Well, anyway, we made it out. So we got that to be thankful for. Daryl's people will get his paycheck and the standard expenses. Hey, man, it was our fault Daryl went down. Really? Why's that? Didn't you speak to the guy? Nothing was his fault, so it must have been us, right? I'll put it down to bad leadership then. I can tell you that, because the leader was dumb enough to take you in there. True that. Hey, let's the place up here. Ah bon? Je sais... Ah, bah attends, je suis en train de me parler à moi-même, là. Ok, salut, Paki. J'ai toujours le casque comme un con. For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that. Hey. Ow. Sorry, I forgot my very, very obvious illness. It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his troubles. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! That's some foul ass shit! Alright, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. One way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored. Miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Hey, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis.
Raza! Non, c'est pas ça. Raza! Alors, budget du FBB part de Michael. Comment ça, j'ai zéro? Ah ouais, merde, je leur file tout mon fric. Ah putain, Franck, là, il a du fric. Eh, je vais lui voler, hein. Lester, ouais, bah, il a gagné du truc. L'équipe, enfin, ouais. Dépense victime, ouais. Temps, ouais. Hors d'haleine, ok, j'ai réussi. T'as raté un bout, ok, rappel. Ouais, ah, bah, ça va, on s'en tire. Je m'en tire pas trop mal. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Merriweather repeatedly, it doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right, all right. I'll come to the court center. Fuck. C'est génial, j'ai été obligé d'attaquer Merriweather pour pouvoir filer la statuette à l'autre à cause des conneries que Trevor a fait, mais au final ça m'attire d'autres ennuis avec Merriweather. Et en plus, ce qui n'aide pas, c'est que je me suis fait en ennemi aussi Devin Weston, hein, hein, sûrement suite à l'autre truc. J'adore me faire des ennemis, l'autre secte aussi, mon veut. C'est génial. Bon ben, je vais aller à ma petite maison et m'arrêter là. Papa est rentré! Aïe! Oh, faut que j'arrête de faire ça. J'ai l'air d'un débile quand je fais ça. Enfin bref, je suis rentré et je vois que quelqu'un m'a remis ma voiture ici. Oh, hé les gars! Il y a personne. Ah si, vous voilà. Bon, bonjour. Hey son. Hey pop. Hey Jim. Hey dad. Salut. Jimmy. Loser. Jimbo. Actually, it's Jizzle. Hey Jimmy. Hey Dad. Ouais, bah vous savez quoi? Vous me donnez envie de tout faire péter. Comment ça? Je vois. Hey. Hey. Désolé chérie, je suis pas fait exprès. Mais c'est l'heure de prendre des photos de ma famille morte. Voilà. Et alors, ensuite, voilà. Ensuite. Voilà. Oh. C'est nul. J'ai dépassé mon quota. Oh bah bref. Et qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors. Nico Bellic. Attends, je veux mieux voir. Ok, Nico Bellic avec un ami roman, mais. Il est pote avec Nico Bellic. Eh ben mon fils, hein, t'es vraiment une grosse merde. Voilà. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, il faudrait que j'arrête de buter des gens. Oh putain. On se retrouvera prochainement pour d'autres aventures. Et en attendant, je vais aller me coucher. J'ai dit que j'allais me coucher. Ben je m'en fous, je vais aller me coucher. Vous m'aurez jamais vivant! Ha ha ha! Bande de fils de pute! Allez! Allez! Viens là! Viens là, Stulos! Ah! Je suis pas mort, je me suis pris juste une tatane dans la gueule!